Et rebonjour, rebonjour à toutes et à tous, toujours 8-Bit Adventures 2, le 2, le 1, est-ce qu'on fera le 1 un jour? D'ailleurs c'était le 20 que terminait la promo, c'est-à-dire aujourd'hui, sur le 1. Après le 1, c'est vrai qu'il est beau de décoffrage, hein. Déjà il date de 2015. Et et voilà, c'est du RPG Maker, mais ça manque de polish. Après, si l'histoire est là, si le fun est là, parce qu'on a envie de se replonger dans les aventures de Jacques, Jackie et Jacqueline. Ça s'est pas passé, salut. Oui, non, mais c'est bon. Il n'y a plus de corruption. Enfin, peut-être. Ah, mais est-ce qu'on avait trouvé un autre patch of tree, machin. Bon, de toute façon, quand on aura le bateau volant, déjà, ça deviendra bien plus confort. Quand on le prend d'assaut, on tabasse tous les nains. Ah là là, c'est une beauté, n'est-ce pas? Oh oui, très certainement. Oh mais Jacques! Vieille branche! J'avais pas réalisé que c'était toi! Oh, il est bon de te revoir, Ulrin! Tu fais comment on appelle ça? Tes rondes. Comment on appelle une ronde? Une patrouille habituelle? Bah oui! Mais ce stop est un petit détour. Nous allons récupérer l'un de nos camarades. Oh, je vois! Est-ce que vous dirigez vers la Forge Céleste ensuite? Non, malheureusement non! Le prochain arrêt, c'est Criseus. Ah, ah oui, et je peux pas supporter ce désert de ces morts. Ça te dit de voyager avec nous? Ah oui, si c'est possible, en effet. J'aimerais parler au roi Vorn. Ah! Eh oui, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Je peux pas changer comment on appelle ça? Mon trajet, mais tu es le bienvenu. Et une fois qu'on sera à Criseus, on pourra retourner à la Forge Céleste. Oui, cela ne devrait pas poser problème. Et bien sûr, nous serons très heureux de payer notre voyage. Mais non, n'en pense rien du tout. Après tout, c'est grâce à vous que nous avons encore la Forge Céleste. Il suffit de nous le dire et dès que vous êtes prêt à partir. On est prêt à partir? Ou il faut encore faire des trucs à. Dans cette ville. Mais il y avait l'histoire du quartier marchand où on peut pas lui dire où est son maudit théâtre. Tour guide. Non, just passing by. Ah, qui es-tu? Non, ils ne peuvent me faire ça. Je suis riche. Non, plus maintenant. Mais je suis encore noble. Oui, mon sang est... Casse-toi! Je ne te laisserai prendre mon argent. Vautour, toujours en train de tourner autour. Je ne peux dormir. J'ai tout perdu. Le district d'or. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Calme-toi, Jacqueline. Bon, votre théâtre, il est là-bas, hein. Pourquoi je peux pas dire où est le théâtre? Qu'est-ce que je dois faire pour dire où est le théâtre? Brouli, boui, 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 boui. Ça a changé quelque chose. Est-ce que je peux cliquer sur le théâtre maintenant? Non. Ah, mais c'est quoi cette torche? Toujours été là? Si on reparle à la vieille. Voilà, c'est tout ce qu'elle a dit. J'ai tout traduit. Je sais pas. On va dire aux Eftières. Et on continue l'aventure. De toute façon, il a dit, le développeur, qu'il y avait que deux succès qui pouvaient être loupables. Et bon, il y en a un des deux, on l'a loupé. Ok.
Mais on peut encore le faire si on retourne sur la sauvegarde. Après, il faut pas l'écraser, par contre. Normalement, c'est le truc du procès nul. Vous êtes prêts à partir? Vous ne reviendrez plus pendant un petit moment? Ouais, ok. Alors, est-ce qu'on va voir du coup des trucs intéressants? Ah, mais il tarbule son bateau volant. Hein. Ah, on est déjà arrivé! Oh là, comme ça m'avait manqué! Bon voyage à vous tous! Et bonne chance pour votre aventure! Oh, merci, Ulrin! Je toucherai deux mots, roi, à ton propos, lorsque je le verrai. Merci, gamin. Ah, apparemment, une nouvelle boutique a ouvert, hein, Chryseus. Ok. Et maintenant, on va où? À l'ouest, à travers le désert, et ensuite au nord-ouest, jusqu'à Flammeus. Quelque part, vers la chaîne de montagne, il y a une cave qui mène au tunnel des nains. Si nous apercevons le volcan, nous sommes allés trop loin. Nord-ouest alors, hein? Chryseus. Ah oui, donc du coup, il m'emmène à Chryseus, mais c'est tout, quoi. Et après, démerde-toi. Soit. Ah oui, donc le mec qui étudie les glyphes là-haut, qui est bloqué. Alors, la nouvelle boutique. Ah oui, la nouvelle boutique. Il avait dit qu'il était en train d'ouvrir une boutique de joaillerie. Ah oui, vous l'avez aussi entendu, n'est-ce pas, la voix dans le débarras. Je peux le voir dans vos yeux. Ah bien, c'est bon de savoir que je ne suis pas que fou. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas là-bas. Mais je n'avais jamais imaginé que c'était un esprit diabolique. Quel genre de fantôme entrait à débarras? Peut-être que l'un de ces objets là-bas était maudit. Peut-être que c'est juste moi. Quelle Sarah! Bienvenue dans notre humble joaillerie. Ah, vous êtes celui qui a aidé mon mari à Driftoon, n'est-ce pas? Eh bien, mes sincères remerciements. Je l'aime plus que tout. Et je m'inquiète quand il est seul. Vous allez le trouver au sous-sol, avec notre nouveau stock. Barsara, mon ami, bienvenue. Merci de m'avoir aidé à Driftwood. Ma femme et moi, nous avons pu accomplir notre rêve, celui d'ouvrir une nouvelle boutique. Même si nous sommes essentiellement une boutique de joaillerie, nous vendons aussi de puissants accessoires, certains qui seraient très utiles pour des aventuriers tels que vous. Malheureusement, ils sont très chers à fabriquer, mais ils valent le coup. Par exemple, nous avons du coup Ability Earring Plus, qui coûte 800 boules, ça va. Ah, le Crescent Pendant, nous on voit le plus cher, 20 000 boules. Un pendentif orné, dont la forme ressemble à celui d'un croissant de lune. Elle diminue de moitié les AP-MP cost, le coût des capacités de moitié. Et on peut en posséder qu'un seul, évidemment. Ok. C'est pas non plus critique, faut bien avouer. C'est cher, mais... Immune. Contre, du coup, soit la terre, le feu, l'électricité, l'eau, le vent, etc. Le Recharge Ring. Il restaure 15% des... Mais c'est encore mieux. Pourquoi ça coûte si cher, en fait? C'est bien, ça. des MP, AP max du personnage. Et Ability, du coup... Ça augmente, du coup, le pool max. Je sais pas, est-ce que j'ai envie de restaurer mes AP tour par tour?
Jacques est capable de se les restaurer tout seul. Après, il faut voir s'il y a d'autres gens. Mais après, ça bouffe le slot de... En vrai, je suis pas non plus ultra saucé. Autant sur les immunités, why not? Après, il faut savoir sur lesquelles miser. Mais sur le recharge, bof. Non. Face à Room. Ah, face à Room, jamais. Je sais pas. Je suis pas non plus ultra saucé, mais ok. Moi, c'est plus arme et armure sur lequel je miserais. Et puis c'est tout, quoi. C'est le boutique de la fille et de l'autre. Ah, mais c'est que de la merde en boîte. Non, on a déjà dépassé... Ok, bon, bah, on va se débrouiller. Hein. Ah, bonjour. Il est très pas content. Il est tellement pas content. C'est pas le bon. Il a pas été très intelligent. Mais c'est pas grave parce qu'on est beaucoup trop puissant par rapport à eux. Alors, nord, nord-est. Enfin, non, j'ai déjà tout oublié ce qu'il a dit. Il n'y a pas de... Bonjour. J'ai oublié. Si tu vois le volcan, c'est de la merde en boîte. Non, sud-est, ouest. Non, c'était nord-ouest. Il parlait du volcan. Le volcan, il est là-bas. Mais il faut pas... Waouh. Si on voit le volcan, c'est trop tard. L'alligator. Eh, ne m'attaque pas, je te donnerai quelque chose de bien. Là, ouais. Je me fais plus avoir maintenant. J'ai bien compris. Hop, hop. Merde. Oh là, il est pas tout seul. Il y a pas de combo attaque. Avec eux. Super. Super, bravo. Ah, là, il y a une grotte. Lina, sont les mêmes que d'habitude, hospitaliers, mais pas très enclins à recevoir des invités non sollicités, non souhaités.
C'est compréhensible, ces cavernes sont suffisamment dangereuses telles qu'elles sont. La dernière chose dont ils ont besoin sont des monstres provenant de la surface. Ah oui, le voilà. Procédons. Nétunadénègne. Ah, des visiteurs! Vous vous dirigez vers la forge céleste? Eh bien, montez sur l'un de ces wagons et suivez les rails. Vous y serez en arrêt de temps. Quoi? Vous n'avez jamais vu de naines? Ah, les humains! Bien sûr que nous existons! Est-ce que vous pensez que les nains naissent des trous de la terre? Bonjour. Shiny! L'ennemi est distrait. Profitons-en. Goblin Scavenger. Hop, on lui vole son shiny. Et on le brûle. Bait and switch. C'est quoi, c'est une combo attaque? Attaque à l'ennemi plus swap Jacqueline en dehors de la bataille, la remplaçant avec un membre aléatoire de l'équipe. Et du coup, on a eu un shiny. Good shiny. On peut la vendre pour moult pognon. Ah bah encore un good shiny. On a le droit d'y aller à pied. Shiny! Faire gaffe à eux aussi. La terre, c'est pas efficace contre le feu. Si. Bah ça lui apprendra de louper, hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Du coup, est-ce qu'on la laisse et on prend du coup l'autre équipe?
enfin de revive avec la capacité de Jackbot. Tout ça pour économiser une Phoenix Down. Oh, cette équipe de Cluedo. Il y a un shield aussi. On peut se passer complètement des wagons. Oui. Bad Shiny. KO Blow, c'est encore un truc avec 1% de probabilité de one shot. C'est quoi alors? Pas les probabilités de toucher. Si tu te diriges vers la force forge céleste, tu voudras prendre ce chariot. It's a doozy. Doozy do 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 zi zi zi. Mes excuses, mais tu ferais mieux de faire marche arrière. Les tunnels au-delà de sont des labyrinthes très compliqués. Surtout si tu n'es pas un nain. Il a laissé passer un visiteur, il s'est perdu, il est mort. Une armure renforcée. Une force de 52. Ça lui augmente son attaque et ça diminue tout le reste. Elle est renforcée avec quoi? Avec le cul. C'est de la merde en boîte. Attendez, Split Knight. Ah non, là je suis avec le Split Knight Armor. C'était qui? C'était Charlie le deuxième? A Mithril Axe pour Rickrack, pour Jakim. Allez, bon, le problème c'est que c'est la on perd en précision, non? Sacrifie la défense pour l'attaque, plus boost les chances de critique de 10%. Ah oui, la défense elle prend un max.
Super, en plus c'est celui qui du coup qui soigne gratos. Et ben dans le cul. Dans le cucu. C'est pas grave, je vais le ressusciter. Tiri. Mais sérieux ? Bande de connards ! Défibrillateur ! Putain, mais meurs ! Meurs dans notre souffrance ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Un talisman mithril, par Jacques. Alors, du coup, là, on avait l'ancien talisman, et là, on a celui-là, et on perd en tout. Un talisman, du coup, de nain, conçu pour être porté par-dessus le cœur en bataille. Ses propriétés magiques sont limitées, mais elles boostent énormément la défense. Donc, on perd en MP max de 3, ok. On gagne en défense de 5, on perd en attaque magique de 2, on perd en défense magique de 2, on gagne en agilité de 2. Au final, c'est juste gagner 5 de défense. Bah non. Voilà quoi. Faire foutre. La hache, bah c'est pareil, c'est, on perd énormément de défense. Son but dans la vie, c'est quand même d'être un tank à Jackie, non? Ah bah le Clockwork Sword. Ah oui, ça rajoute des dégâts élémentaires de feu. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu l'équiper right now. Mais ça aurait été efficace contre les... je crois qu'il... Bon, pas là en tout cas, parce qu'on est dans le volcan, je sais pas pourquoi je l'équipe. Bon, il y a juste les bombos hein, qui sont résistants. Bon, est-ce qu'on va devoir combattre sur les sur le chariot? On va peut-être du coup mettre Jacqueline à chaque coup vu qu'elle a de fortes probabilités d'avoir l'initiative. On a une sortie à gauche. Mais non, merde. Ah, c'est bon. Je me ferais pas avoir. Ah, bah si. Je me fais avoir. Ah, j'ai pas le droit d'y aller à pied. Me demandez pas pourquoi. Ou alors, il y a moyen de sauter. Hein? Ah, la base! On se tape même plus le chemin. Ah, oh, d'accord. Bon. Shiny! Je sais pas si le combo de vol augmente drastiquement les chances de réussite. Tech team. Failed aussi. Il veut pas s'en séparer du shiny hein. Après bon c'est normal d'avoir de faibles probabilités de réussite de vol parce que si ça se vend super cher, peut-être tu n'en as rien de temps. Donc c'est ça la forge céleste. Ah ouais, c'est juste une tour.
Depuis la disparition de 4 de nos bateaux volants, nous sommes en état d'alerte rouge. Au cas où le type qui nous a volé ces 4 bateaux décide de voler toute notre flotte. Les nains sont un peuple pacifique. Mais nous étions de puissants guerriers jadis. Nous défendons notre patrie avec virulence. Alors ne le prenez pas mal si d'autres gardes ne vous parlent pas, bien compris. Donc lui ne parle pas, lui non plus. Lui non plus et lui non plus. Sans offense. Des potions, des phénix. Bon, j'en prends une parce qu'on a gaspillé une. Enfin, gaspillé. Alors là, ou de l'Oli, c'est ce qui permet d'enlever le mute. Yeah. On me donne moult hot coal pour faire des dégâts de feu. Je suppose qu'ils sont pas tous insensibles au feu. 480 pognon. Prends-la ta thune. Ok. Alors du coup, est-ce que on peut s'acheter des trucs intéressants? Bolox. Ouais, ils aiment se vanter comme quoi c'est leur les armures les plus solides et tout, mais les armures de nains sont faites de mithril. Et le mithril n'est pas seulement incassable, il est aussi impénétrable. Quel dit. Donc on peut acheter un casque en mithril, une armure en mithril, un bouclier en mithril, un bandana renforcé. Une armure renforcée. Ah oui, l'armure renforcée, c'était pas fou. Et un vent-bresse. Ouais, un talisman. Ça, on l'a déjà eu. Une broche. Ah, le problème, c'est que du coup, on va retomber encore sur ces mêmes armes. Donc, on peut tout acheter right now. Ou attendre et... On voit pas la broche. Aima. C'est pas cher. De toute façon, rien n'est cher en vrai. On peut tout acheter, mais. Voilà. Ça ira comme ça. Et alors, du coup, elle, le bandana. Lui, tout. Alors le cipar, ça faisait quelque chose de... Non, on s'en foutait. Ok, donc là il a une défense de Ouf-Guedin, alors peut-être que ça devient intéressant de lui donner quand même avec 69 de défense. Peut-être qu'on peut lui donner la hache et qu'il tape, qu'il fasse des dégâts un peu raisonnables. 71, ou alors il fait des dégâts de feu avec le Clockwork Sword. Ouais, en vrai, on va le laisser comme ça. On avait quelqu'un d'autre? Oui, la brooch. Ah, mais Sapphire. Est-ce que Sapphire? Non. Ça faisait de la résistance élémentaire, mais que dalle. Ah, c'est vous! Oh, par ma barbe! Oui, je me souviens, je faisais des armes pour vous il y a quelques années. Vous sauvez encore à nouveau le monde? Oh là là! Écoute, ah oui, mais jetez ces couteaux à beurre d'humain et laissez un vrai forgeron vous équiper. Donc le mithril Thrall, qui est pas plus fort que mon épée de feu, mais bon, en même temps. Mithril Axe, on l'a déjà. Le Short Sword pour Charlie.
La dague, mais on a déjà un truc qui empoisonne. La dague, de ça, c'est pour Jacqueline. Qui augmenterait sa défense plutôt que son attaque. On va prendre la le short sword. Le bow. C'est vrai que si on veut plutôt jouer attaque, c'est l'arc qu'il faut jouer. Et donc le bâton, on gagne en attaque brute et en défense brute. Enfin, non mais allô quoi. Le mage qui tape. Du coup, Iron Short Sword, Mithril, Bim. Et Ouais, faut pas qu'elle jette son Stone Crest, qui est un souvenir de Chezal. Ah, travailler ici en tant que forgeron, c'est vraiment le rêve. La plupart d'entre nous travaillent sur les bateaux volants. Mais il faut toujours maintenir de bonnes armes. Ah, la vie est belle. Comment ça? Les nains ont la peau épaisse. Ils ne sont pas plus résistants que vous, les humains, à la lave. Un seul mauvais pas et hop. D'un jeune âge... Enfin, au plus jeune âge, on nous apprend à respecter la lave. On nous enseigne que c'est très dangereux, c'est mortel, c'est un danger mortel. Mais elle peut aussi être... Arnest, alors comment on appelle ça? Guidé, enfin voilà, on l'utilise pour créer des choses de réellement belles. C'est drôle, hein? La ligne, la frontière entre la destruction et la création est aussi petite que mon cul. Que mon cul. Tu le sais peut-être déjà, mais nous, les naines, enfin les nains, peu importe, je sais pas. Nous vivons dans la forge céleste. Ah, on ne fait pas que vivre dans la forge céleste. Nous y travaillons aussi. Nos foyers sont au plus profond de la terre. Dans des halls de rochers, de stone, de pierre. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre à la surface tout le temps. C'est pas pour être rude, mais... Je suis en train de me rassasier d'un bon travail et tout, enfin voilà. Alors cassez-vous. Quelle sera? Oh, les nains m'ont invité ici afin de discuter de leur nouvelle technologie qu'ils ont développée. Quelque chose qui pourrait résoudre la crise du manque d'eau à Criseus. Mais maintenant que leur flotte de bateaux volants a disparu, on dirait que je vais attendre ici pendant un petit moment. J'espère que mon... mon beau-père ne rend pas ma femme folle. Ah, c'était lui qui a... Ok. Avec le... Et voilà. Qui décryptait les caractères sur la tablette et tout ça. La pire partie de la Forge Céleste, c'est qu'elle a... It's a whopping great tower. Oui, c'est que c'est une tour gigantesque. Alors... Ça veut dire que dès qu'il faut transporter un truc, il faut monter moult escaliers chaque jour. Ces types dans les tunnels se réalisent pas comme ils sont chanceux. Ils utilisent leurs chariots et tout. Oui. Alors cet étage, c'est la forge centrale. C'est ici que nous fabriquons toutes sortes de choses. Des morceaux de bateaux volants, des lampes, des armes, des armures, tout. Le roi nous a demandé de remplir le monde avec moult autres nouvelles technologies, des choses qui aideront les gens. C'est une grosse tâche, mais nous allons réussir. Voilà, il fait chaud ici. C'est un endroit dangereux. Faut pas trop se promener là en chantant la. La lave ici est vraiment chaude. Elle fondra ton arme en un rien de temps. Ton arme, ton bras. Mais on a besoin de la lave pour forger le mithril. Alors nous, les nains, on est super prudents. Ça fait 362 jours depuis notre dernier accident
liée à la lave. Bravo, bah, beau record. La forge céleste puise la lave de sous terre et la ramène jusqu'au sommet de la tour. C'est, et cela depuis des temps anciens. Cependant, nous, nains modernes, nous ne savons même pas comment ça fonctionne. Ah merde. Comment vous réussissez à maintenir un truc sans savoir comment ça fonctionne? C'est fort ça. Ah Jacques, comment vas-tu? Tu es venu pour regarder, enfin, explorer à nouveau notre bibliothèque? Demande... Ask Moldwarf. La plupart des nains diront que la technologie de la Forge Céleste était notre plus gros gain lorsque nous avons récupéré cet endroit. Mais ils auront tort. La Forge Céleste nous a donné du savoir, une ancienne sagesse longtemps perdue. Comme la connaissance de le savoir de pour construire des bateaux volants, des lampes et la chaleur. En nous donnant davantage de temps, il y en aura plus. Bien plus. Fais bien attention à ce que je dis. Les secrets de la Forge Céleste changeront le monde. Comme l'espère le roi Vorn. Qu'inquiètes-tu? Oh, quel sort, ami! Mais quelle heureuse coïncidence! Que nous rendions visite à la Forge Céleste le même jour. Ma fille et moi, nous nous dirigeons vers Niveus. C'est la première fois que nous visitons la région, alors nous espérions acquérir le droit de pouvoir embarquer sur un bateau volant. Gracieusement, les nains sont plutôt accommodants. Ils nous fournissent même en mithril, en armes de mithril et en armure, afin que nous puissions les vendre à travers le monde. Mais je ne vous retiendrai pas davantage, j'espère. Oui, que vous achèteriez dans nos magasins plus bientôt, super. Nous avons trouvé toutes sortes de schémas ici. Comme des moteurs, l'éclairage, la chaleur, le refroidissement, les véhicules. Et même des recettes de cuisine. Il y a aussi des armes, comme ce plan pour une orbe qui vole, que vous avez détruit lors de votre première visite. Mais notre but, c'est de rendre la vie meilleure pour les gens. Et avec ces parchemins, je sais qu'on pourra le faire. Ah, la partie la plus dure concernant ces bouquins, c'est qu'ils sont écrits en ancien nain. Vu que je suis le plus vieux parmi nous, enfin le plus âgé, Sa Majesté est le nain, le seul nain qui reste qui sait parler cette langue couramment. Alors il nous l'enseigne à nous tous. Mais c'est incroyablement complexe. Je comprends bien les mots. Hein? I've got some of the world down. Oui, j'ai bien compris quelques mots, mais... Il pourrait dire n'importe quoi, ça veut rien dire bisous bisous. Bon bref, ça veut rien dire aussi. À chaque fois que je fixe cette étagère, voilà, je suis si fâché. Tu vois, il y avait ce nain qui a travaillé ici. Il faisait des recherches sur d'anciennes technologies comme nous. Il était, il se précipitait, il était impatient, il essayait de construire des choses dangereuses. Lorsque le roi a mis un terme à ses expériences, il nous a volé nos recherches et a disparu. Je n'ai entendu parler de lui depuis. Ah, si je savais où est-ce qu'il était. Ah, est-ce qu'il y aura un nain rogue qui construirait de la merde en boîte? Ah, je me demandais quand est-ce que vous alliez vous pointer. Bienvenue au hall de mes ancêtres, à la Forge Céleste. Nous avons tant à discuter. Parlons dans un endroit plus convenable. Allez, montez, bande de cons! N'essayez pas de me faire attendre trop longtemps, je suis déjà vieux! Allez, super.
Marine. Bah, il s'est barré. Ah oui, vous, continuez, vous atteindrez le hangar. Nous travaillons sur un nouveau modèle de bateau volant. Je la bois pour tout le monde, mais j'ai pas le temps. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi nous portons tous des armures. Eh bien, même si nous aimons vivre sous terre, c'est plutôt dangereux là-dessous. Mais laissez-moi vous dire, nous dormons tous en sécurité dans nos... Dans notre mitrille incassable. Les armures de mitrille sont disponibles au second étage, si jamais ça vous intéresse. Oh, des humains! L'Ali-Hey? Non, non. L'Ali-Ha? Non. Ah, que... C'était comment, déjà? Ah oui, l'Ali-Ho! Ça, oui. Mon frère a dit que si jamais je voyais des humains, je devrais leur dire l'Ali-Ho. Quelque chose à propos de perpétuer un stéréotype remarquable. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire. L'Ali-Ho, comme les nains de FF, je suppose. Depuis que notre flotte a disparu, Sa Majesté nous fait travailler à plein temps sur des morceaux d'un nouveau bateau volant. Ah, comme les jours me manquent où je ne faisais que faire des armures au lieu de morceaux de moteur. Aussi impressionnant que la connaissance des technologies nanana. Aussi impressionnant que fut la technologie des anciens nains, et ils auraient pas pu inventer quelque chose de mieux que des escaliers et des échelles. Je sais que la Forge Céleste doit être une tour, mais c'est plutôt fatigant de se promener, quoi, là-dedans. Le roi a passé la plupart de son temps dans le hangar de nos jours. Je ne sais pas ce qu'il y a à propos de ce bateau volant, mais je l'ai jamais vu aussi passionné. Oh, ça va là. Mais alors, comment... Ah. Oh, comme c'est une heureuse coïncidence de rencontrer mon client le préféré. C'est moi, la marchande vagabonde d'une beauté indicible. Enfin bref, je sais pas comment. Mon père et moi, nous embarquons dans le prochain bateau volant en direction de Diveus. Je suis pas sûr d'apprécier le climat là-bas. Mais nous allons là où le besoin s'en fait sentir. J'aimerais bien qu'il se dépêche. Je suis probablement idiote, mais j'ai l'impression que quelqu'un me fixe. Ah bon. Alors là-haut ou... Ah non, pas là-haut. Mais qu'est-ce que tu fous là-haut? Tu ne connais pas les règles? Seuls deux nains par tour! Ah bah, je suppose que c'est le cas, techniquement. Mais, ça n'arrêtera pas les... comment on appelle ça? Elf and Septi. Les cons, là. Bon, ok. Ah oui, c'est incroyable! Très jolie image! Cette femme, sur la tour... Ah oui, c'est lui qui le mate depuis tout à l'heure. Oh là, j'avais 100 ans de moins. Ok. Bon, du coup, c'est là et là pour aller voir le roi des nains. Probablement. Je suis impatient de voir comment on appelle ça, le premier voyage là, d'un bateau. Bon, bref, le voyage d'inauguration, mais c'est pas ça qu'on dit. Dis-nous, modèle du bateau volant. Je fais partie de l'équipage de test. La plupart des nains
aime rester sous terre, mais pas moi. Je me sens en paix au-dessus des nuages. Maiden Flight, je sais pas. La plupart du travail sur le nouveau modèle de bateau volant est presque terminé. Alors, il y a peu de gens ici. On doit juste... on a encore besoin de quelques morceaux de moteur. Et elle ronronnera comme une chose qui ronronne. Ok. Trois fois des barrières balls. Pour faire des barrières de statues. Des statues de barrières. Des balls. Des bobos. Salut le roi. Eh bien. Eh ben, ça vous avez mis du temps. Vous devez vous faire vieux, Jacques. Eh bien, à part vous et votre espèce, j'allais dire, mais votre peuple, je suis probablement l'homme le plus vieux du monde. Oui, c'est exact. Je pense beaucoup sur... Mon âge me tracasse beaucoup ces derniers temps. Eh bien, je doute que j'aurai aussi bonne mine que vous lorsque j'aurai 500 ans. Il est bon de vous revoir, Votre Majesté. Ah oui, oui. Alors, qui sont tes nouveaux compagnons? Jackie et Jacqueline, vous souvenez d'eux? Et derrière eux, il y a Emma, Charlie et Jacques Bott. Il est bon de vous rencontrer. Eh oui, c'est une rencontre agréable. Hein, de voir des programmes qui possèdent une compréhension rudimentaire de la technologie. Alors, vous connaissez la reine de Féopolis et le roi des nains? Waouh! Un roi Vorn, est-ce que c'est un bateau volant derrière vous? J'en ai jamais vu un d'aussi près. Ah, c'est exact! Allez-y, délectez vos yeux, gamin. Je sais pas si ça se dit, mais bref. La Forge Céleste, c'est sa dernière pièce maîtresse. Et à quoi ça ressemble? Essaye d'imaginer un bateau dans le ciel avec un ballon géant au lieu d'une voile. Ah, alors c'est votre nouveau modèle? Ah oui, c'est ma joie et ma fierté. Plus rapide, plus efficace, plus durable que jamais. Bien, c'est une bonne chose que le glitch n'ait pas mis ses mains là-dessus. Je pense... Je présume que vous savez quelque chose, ce qu'il est devenu de ma flotte manquante. Qu'est-ce qui s'est passé là-dehors? Qu'est-ce que vous savez, Votre Majesté? Bah, rien du tout, j'en ai bien peur. Mes hommes m'ont dit que des bateaux se sont envolés par eux-mêmes. Eh bien, ils ont été dérobés par un être dangereux connu sous le nom de Glitch. Il les a utilisés afin de... Eh bien, vas-y, crache le morceau. Il les a utilisés afin de bombarder et de détruire la ville de Stonecrest. Oh non! 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 Ah, pardon. Les armes sur ces choses... n'ont été conçus que pour combattre des monstres. Eh bien, ils fonctionnent tout aussi bien sur la destruction de bâtiments. Stonecrest est parti en fumée. Alors, je suppose que vous venez de là-bas, gamine. Oui, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de ma faute, vraiment. Je suis vraiment désolé. Emma a raison, le glitch aurait détruit Stonecrest, avec ou sans vos bateaux volants. Ah, mais j'ai construit ces bateaux volants. Je les ai construits pour faire le bien, pour apporter, rapprocher le monde, pour rapetisser le monde. Maintenant, ce type les utilise afin de le déchiqueter. Mon ami, je sais que ce doit faire un choc, mais nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin d'un bateau volant. Oh. Je ne peux vous en fournir un.
Forne, s'il vous plaît. Vous savez que je ne demanderais pas si je ne pouvais faire autrement. Et tu sais très bien que je te fournirais l'aide si je ne pouvais faire autrement. Ne faites pas l'idiot. Peu importe vos soucis, ils n'ont plus aucune importance. Nous ne pouvons permettre au glitch de gagner. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Eh bien, depuis que le glitch a récupéré toute notre flotte, il ne nous reste plus qu'un seul bateau volant. Une fois que cette beauté derrière moi sera finie, cela en fera que deux. Mais admettons que vous preniez celle-ci et que vous l'emmenez en bataille et qu'elle est détruite. Il ne m'en restera plus qu'une, plus qu'un. Un bateau volant pour faire des allers-retours de restock de marchandises, récupérer notre peuple et faire que tout fonctionne. On a déjà bien du mal à récupérer de cette perte des quatre autres. J'ai besoin de temps afin de reconstruire. Sinon, ces deux dernières années de travail finiront en fumée. Ainsi que mon héritage. Ah. Mais ces glitchs détruisent notre monde. Rien de tout cela n'aura plus d'importance. Or, je réalise bien cela. Mais je ne peux... baser le futur de mon peuple sur de vagues rapports de fin du monde. Sous de différentes circonstances, j'aurais respecté cela, mais vous n'avez absolument aucune idée du danger dans lequel nous sommes. Ne pensez-vous pas que vous devez quelque chose à Emma, au peuple de Stonecrest? Ah, ça oui! Dès que j'en serai capable, j'enverrai moult artisans fournir et aider à reconstruire. C'est très gentil, mais cela n'aura plus aucune importance si le glitch n'est pas arrêté. Si jamais votre foyer est la prochaine cible. Assez! J'apprécie votre passion et votre candeur, mais rien de tout cela ne changera ma décision. Je pourrais récupérer ce bateau par la force. Ah, oui, vous pourriez, mais vous ne le ferez pas. Et en plus, vous avez besoin d'un équipage. Écoutez, je n'essaye pas d'être obstiné. Je ne peux vous donner ce bateau. Mais je peux toujours vous aider. Et comment? Ben, en vous emmenant, bien sûr. Mon dernier bateau volant reviendra ici demain. Et ensuite, il se dirigera vers Nivius. Aucun des portails restants sont localisés dans cette région. Oui, cependant, oui, Nivius, cela pourrait fonctionner. J'expliquerai plus tard. Eh bien, on dirait que c'est la meilleure offre que nous allons pouvoir avoir. Eh bien, ça fera l'affaire. Merci, Votre Majesté. Splendide! Bien, reposez-vous cette nuit, et vous pouvez partir demain. Ah ouais. Un peu de repos, ça fait du bien. Reposons-nous tant que nous pouvons. Oh, Jacques, je suis désolé. Comme je le suis. Vous devez vraiment vous faire vieux si l'héritage devient si important à vos yeux. Ah, je reconnais que vous avez raison. Mais vous ferez mieux aussi de considérer votre héritage à vous aussi, Jacques. Le glitch m'a utilisé, Vorn. Comme vos bateaux volants, il m'a utilisé afin de voler la vie voler d'innocentes vies. Ah, gamin, je ne savais pas. J'ai peur que mon héritage doit être constitué d'échecs et de sang, comme celui de mon père. Non, ne croyez pas ça une seule seconde. Souvenez-vous, peu importe nos querelles, vous aurez toujours un allié ici. Bonne chance, gamin.
Nous en aurons besoin, en effet, vieil ami.